Je sais plus quelle était la question. Le jeu vidéo, le cinéma, c'est quand même des métiers qui font rêver les enfants. C'est vrai que Gaspard Breton, bon, ma femme s'appelle Marek, et ma fille en plus est assise au collège à côté de quelqu'un qui s'appelle Bretagne. Donc j'ai envie de dire qu'ici on se sent quand même un petit peu chez nous. Je suis parisien d'origine, je suis venu m'installer à Rennes il y a 20 ans. Je suis initialement parti en Bretagne pour faire mes études. Et quand il a été temps de revenir, je me suis dit que je ne pouvais pas retourner dans une aussi grande ville que Paris et je me suis arrêté à Rennes. Notre activité, c'est en fait l'analyse de visages de haute qualité pour tout ce qui est métier de la production, effets spéciaux, cinéma, jeux vidéo, etc. À Rennes, parce qu'on aime bien le cadre de vie et on est certain d'y trouver des talents pour aider la boîte à grandir. Marié, en vie réelle. D'abord, on avait une vraie technologie, parce qu'on a reçu des prix internationaux pour la qualité de notre technologie. On a été aussi très très bien accompagné par la Technopole Rennes Talents. Asie. J'adore le petit aéroport de Rennes, mais c'est une vraie porte ouverte sur la planète. À l'international, on connaît Dynamixis pour la qualité de son produit en fait. Aujourd'hui, on est numéro un mondial des systèmes de motion capture faciaux. On est utilisé dans beaucoup beaucoup de productions, que ce soit du jeu vidéo ou du film. Open Space. Oh, Mac, bien sûr. On est dans un domaine vraiment qui est une toute petite famille. C'est des domaines qui sont extrêmement exigeants. On est deux sociétés au monde en gros concurrentes. On est passé premier parce qu'on a sans arrêt innové, qu'on est toujours en train d'innover. L'été dernier, on a sorti un système qui est vraiment une première mondiale et sur lequel on a le monopole actuellement, qui est un système d'analyse faciale multicaméra. Vendu en tant que logiciel, on est les seuls à proposer ça. Et ça, c'est grâce vraiment à toute la R&D qu'on fait ici, et donc cette recherche de l'excellence perpétuelle. On est arrivé à Rennes il y a 20 ans, avec ma femme, on voit que nos enfants vraiment bénéficient de choses extraordinaires. Elles font du canoë-kayak, elles partent à la mer. Notre ambition, c'est de conforter et de garder notre place de leader mondial sur notre marché principal, d'attaquer d'autres marchés et c'est surtout de se développer à l'international. Côté salaire, ça donne plutôt bien parce que les gens qui viennent chez nous en général ont un salaire qui est largement au-dessus du marché. Les hommes et femmes ont le même salaire. Émotion. Couche tard, super tard même. Gaspard.